نيغد ريزيستونس اي كلير فويونس ريزيستونس اي غار دارن ريزيستونس خاطر تقوى لا مانيبيولاسيون ريز اتاس لو اف اف اس il fait face à cette adversité الحمد لله grâce à ses militants grâce à ses cadres avec beaucoup de lucidité نتاع المسيد الحسين يتحمل الى قانيليس لوسيد surtout dans des moments pareils الى قانيليس animé d'un sens élevé de nationalisme et de patriotisme. Où les joueurs disent Doros, un homme dit Watanis, un mec comme nous, un truc d'autre, un truc de l'île. Galin, Yergazen, Atas ou Kiaver, la FFS, Besh Edaounen, ou Besh Ediaouz, ou nous avons un truc d'autre, et nous étions au centre de tous les combats pour la démocratisation du pays, et nous allons être Erzdet au centre de tous les combats. Bachedner Awel et Oujdoud Azaïri et pour lui permettre de participer effectivement dans tous les processus de prise de décision. Nous n'aide aussi clairvoyance. Clairvoyance, à Khatar, nous ne sommes pas un troupeau de moutons, nous sommes nous sommes des militants politiques. Nous sommes des militants qui s'attaquent les décisions après des diagnostics, après des analyses. Ou tsavratan saadiya kulli ni magnas nou kever tirni ghani mlayen ou a travers eux izayrina tsayrina kulli soumathan dou idi lan di tmourth ou idi lan dil gharba nous avons grâce à tous les militants su garder la cohérence politique du FFS parce que ces forces hostiles que je viens de citer ama sil jiha ou davou nar sil jiha thnidan ils visent le parti à travers des campagnes médiatiques, des surenchères, même des réseaux sociaux, ils visent notre cohérence politique. Béchar Soufran, ce gouvernement, ils visent la cohésion de nos militants, et si ils ont chikak, ils ont chikak aussi. Il vise aussi les constantes faïdik vides du Kavaraki. Il a dit le FFS repose sur ses valeurs, c'est qui ont fait la différence, c'est qui ont fait que le FFS se distingue, il s'est distingué à travers l'histoire, il se distinguera Inch'Allah. Analyse déterminée surtout afin de la résistance ou analyse clairvoyant et lucide. Aujourd'hui, Ayat Mathen, combien de fois ont-ils prédit la disparition et la mort du FFS? Combien de fois ces cercles et ces forces hostiles au parti et au changement dans le pays ont prédit la déviation du FFS de sa trajectoire initiale? Combien de fois ont-ils tenté d'instrumentaliser la faiblesse des hommes pour porter atteinte au parti? Le FFS est toujours là, grâce à ses militants, grâce à son histoire, grâce à son parcours,
et grâce à l'héritage de Hussein Aït Ahmed que nous devons perpétuer. Nous sommes toujours là grâce à notre engagement permanent en faveur de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. Et nous serons toujours là grâce à notre engagement en faveur de l'unité de notre pays, en faveur de la cohésion des enfants de l'Algérie et en faveur de l'instauration d'un état de droit dans le pays. Juste pour marquer cette date qui colle de trop près à l'histoire contemporaine, à post-indépendance, donc, nous sommes dans le Ces militants sont engagés et je leur rends un hommage particulier. Ils sont engagés auprès de nos concitoyens, ils sont engagés dans la société et nous allons continuer notre travail. Le territoire national, c'est un devoir. Les idées et le projet de société que nous sommes en train de défendre, Inch'Allah, il va aboutir et grâce à vous tous. Et qui est le Il a lancé une guerre contre tout ce qui est politique. Nous devons être conscients à ce qu'il y a. C'est une guerre systématique contre le politique d'une façon globale et contre les partis politiques d'une façon particulière. Ce qui se passe aujourd'hui, et nous devons prendre des positions en conséquence. Donc il y a un mariage ils obéissent à des agendas clair ici qui sont entraînés dans des agendas qui ne maîtrisent pas. Donc nous devons faire vraiment attention et nous devons être clairvoyants. Nous sommes un parti avant-gardiste, nous sommes un parti qui est censé être la locomotive du combat pour la liberté et la démocratie et ne sommes pas aujourd'hui prêts à abandonner abandonner qui risquerait RSDF de porter atteinte à notre souveraineté, à notre unité. Le FFS est à la démocratie, à la souveraineté populaire. Et le Wakil Averid Dinjarsil Hussein Aït Ahmed, et grâce à vous tous, gloire à nos martyrs, à Adir Hamar Bin Shuhada. Vive l'Algérie libre et démocratique. Et Inch'Allah, Ansiwa Falvrina, Atakun Sahar, et Kitanir.